Alright, bon, on a fait notre gridier. On continue notre aventure sur K1. Essayons un petit méga Satan là. On peut essayer un petit méga Satan là. Mais. Je rêve où il a fait son attaque, ça a poussé la mouche sur ma tronche. Je vais crever. Je vais pas crever. Enfin, pas tout de suite. Oh, le bundle. Le bundle. J'ai failli foncer dans le feu. What the fuck? J'ai foncé dedans, hein. Heureusement que le feu, il s'est éteint. Je sais pas. Je sais pas ce qui m'a pris. Ça va pas mieux, moi, hein. Ok. Prendre le cœur blanc parce que je risque de mourir. Mais j'ai mon petit pote qui fera des cœurs de temps en temps. Donc si jamais ça peut suffire, si je survis. La game est prometteuse. Non mais là ça commence. Ça commence, c'est chaud. Hein. Mais ouais, la game est prometteuse. Et en plus, du coup, c'est une game de Ridley Scott. Donc c'est pas mal. Même si c'est pas son meilleur film. Boom. Boom. Vous l'avez pas? C'est pas la ref? Prometteuse? C'est pas lui qui a fait... Mais si, c'est Ridley Scott. Ridley Scott, c'est Alien 1, mais également d'autres films Alien après. Voilà, vous l'avez. Vous l'avez. J'ai pas dit que c'était glorieux, mais... Oh, j'aime bien un petit super laser de la beurre. Un petit bleu arc, là. Un petit bleu arc contre la prunelle. Un tir de barre. Un bon tir de barre, quand même. Hein. Boum. Boum. Ça se prononce Prometheus. Sans blague! Ah. Vous savez, le l'emoji, là, avec les lunettes... Et qui lève la main là. Actuali. Prometheus. Oui, c'est pour la blague. C'est un jeu de mots. C'est un jeu de mots. Actuali. Oui. Ça va, j'ai pas dit que mes blagues étaient des blagues de folie, mais. C'est un jeu de mots, quoi. Voilà. C'est réglo. Réglo. Oh, et toi? Bon, écoutez, hein. On va pas s'en plaindre. J'ai pas beaucoup de range, mais... ça reste un petit hypecac pour tout bomber, péter. Pour bien farmer. Doom. Ah, l'étage, c'est dommage, l'étage n'est pas assez grand. Je peux pas optimiser ma sacrum là avec mon bébou. Sinon, j'ai un cœur d'os. Ah, attendez, l'étage continue. Je dis ça, mais ce n'est peut-être pas terminé. Ah, ok, ok. 25 balles, d'accord, d'accord. J'ai 100 aussi. Deuxième drop de cœur. Des cœurs. Des pilules. Okay. Soit l'autre penny. Ouais. Ah, attendez, on a des cœurs. On va voir si ça passe la sacrum. Le sac à dos.
Il y a un cœur aussi ici pour 2 balles. Et peut-être il y aura un HP au boss. Il peut y avoir des cœurs dans la sacrum d'ailleurs. Ouais, chelou l'étage, là, et... curieux la génération d'étages. Ok, donc il y a des cœurs, hein. Il y a de quoi faire. Choupe, je crois que ça scale sur les dégâts, ouais. Donc on optimise le cœur d'os plutôt que de tous les cœurs, on va dire. Parce que le cœur d'os, du coup, il reste. Le placenta. Bah, si jamais il proc, avant que je ramasse un cœur, je fais demi-tour. Hein. Mais là, j'ai déjà quelques cœurs. Je vois un peu la tondeuse, c'est violent quand même les éliminer. Bah, en équipe, ça fait moins 5 minimum. Entre moins 5 et moins 9 par match en équipe. Effectivement assez conséquent. Après en solo, ils étaient 8, ça faisait moins 7. Techniquement ça fait moins proportionnellement. Et en duo, ils étaient 8 aussi et ils sont repartis à 4. En fait, ça allait prendre duo. Hein. C'est dommage parce que ça, du coup, duo et c'était vachement moins dangereux que le reste. Ah oui, j'ai pas eu, ok. Ah. Ah mais du coup, moi, je veux jouer mes anges. En deux, c'est... Ah oui, ils partent à 2. Ça fait quand même 2 sur 8. Alors que là, nous, on est 20. Non, on est combien? 20. Oula, l'épée avec IP cac. Pas terrible, je crois. Du coup, c'est 2 sur 8 aussi. Et là, on est 40 et... il y en a au mieux... Ah, quoique, au mieux, c'est quoi, 20? Du coup, je sais pas. Bon, je perds mon cœur d'os, là. Il y a quoi au shop? J'arrive pas... Non, ça marche plus, les mouches qui font les dégâts d'IPK, ça n'existe plus, là. Oh oui, j'avais full pilule aussi que je voulais piffer, c'est vrai. Des fois qu'il y a un truc pour me soigner. C'est vrai, j'ai oublié ça. Ok, du coup on va mettre les cœurs bleus. Et à condition que voilà que tout le monde tienne en plus, ça c'est sûr. On va faire nos clés d'ange tout de suite, comme ça c'est fait. Ça, on a direct nos clés, on est sûr qu'on a méga Satan. Si jamais on trouve un truc sympa en Devil Deal, on peut y aller. Voilà, ça c'est bon. Validé, hop. Maintenant, il faut qu'on aille au bout. Au bout en chest ou en dark room, let's go. Les candidats en eux-mêmes? C'est quoi, genre, tu trouves que les candidats... Tu trouves que les gens qui sont éliminés, c'est bizarre? Bah ça va donner des piles aussi, non? Au moins une. Pas bizarre, hein. Tu trouves ça normal que John Cott soit fait éliminer? Ça veut dire qu'il est nul? Ok. Super.
mec insupportable, tu vois. Après, sur 100 personnes, il y avait des profils qui allaient forcément être des profils très forts, quoi. Mais ouais. Je sais même pas qui est qualifié là pour la phase 2. Oh, ça fait chier d'avoir cet item là. Pour l'instant, il y a qui? En solo, c'est qui? C'est les jeux à deux, non? Et l'autre, je sais pas. Chfou? Non, Chfou, il a perdu contre les jeux à deux, je crois. Justement. Ouais, c'est ça, ok. Ah, Okrex, oui, qui a gagné contre Shigan. Ouais, Okrex, il a l'air chaud aussi. Bon, on s'en doutait hein, aussi, mais... No? Par contre, No, ça veut dire que je peux pas prendre un autre trinket. Je peux pas prendre mon autre trinket. Mais No, c'est, ça peut être sympa. En solo, les jeux à deux. Ouais, bah c'est leur truc, ils jouent à deux. Après, c'est une équipe participante, enfin, s'ils sont... Je sais même pas comment ils s'arrangent pour jouer, je sais pas comment ça marche leur duo. Ils jouent chacun leur tour, je sais même pas comment ça marche leur duo. En duo, ça doit être... Ça doit être sympa d'avoir quelqu'un pour te donner des infos, des trucs comme ça. Ubu, t'es qualifié? Bien joué. Quel pro. Quel pro Ubu. Mais ça, c'est parce que t'as choisi Jante. C'est même pas parce que t'as choisi, c'est parce que t'étais derrière et t'avais Jante. Et en vrai, moi, la team duo, j'aurais choisi Jante direct. Avec tous les gens qui étaient... qui était dispo, moi j'aurais pris Jante direct. Et ils t'ont laissé Jante à la fin, et voilà, hop, du coup tu gagnes avec Jante. Jante, c'était le vrai bon choix, moi je pense. Hein. Toum. Bon, même si t'as gagné aussi, vous avez gagné à deux, mais... Toum. Voilà ce que vous racontez, on parle de la tondeuse dorée qui est une compétition de jeu à 100 personnes à laquelle je participe et qui... qui implique que les participants et participantes jouent à des jeux qu'ils ne connaissent pas à l'aveugle pendant une heure et qu'ils essaient en général d'aller le plus loin possible. C'est un tournoi Battle Royale avec 100 personnes et sur des... Enfin, c'était un peu jeu rétro, slash, maintenant c'est plus que des jeux rétro, mais voilà. Maintenant, il y a un peu de tout. Et c'est surtout de la découverte, parce que tu sais pas sur quoi tu vas tomber comme jeu. Et d'ailleurs, je suis tombé sur un jeu que je connaissais. J'ai eu un jeu que je connaissais, moi. Parce que le Snafu, là, le jeu d'horreur incrémental, j'avais déjà vu ses joufs y jouer, donc je connaissais. Le coupon. Alors, le coupon, on l'a pas trouvé encore. On l'a pas touché et tout. Ça peut être sympa. C'est des bons jeux. Alors... Ça peut être des bons jeux, mais souvent c'est des trolls genre Tintin au Tibet. Mais c'est des jeux souvent très méconnus surtout. Genre il y a des jeux, qui sont jamais sortis de la Corée ou des trucs dans le genre quoi. Et plus t'avances dans la compétition, et plus c'est des trucs mystiques.
C'est pas le but de troller. Ce week-end, le week-end dernier, j'ai vu un petit sourire sur le visage de Sejouf quand même, hein. Un petit sourire de... je pense pas qu'ils vont passer le premier écran. Attention, hein. Attention, hein. Doum. Doum. Vas-y, on avance. On voit le choup d'aoup, là, il fait trop mal. Ok. Je vais plutôt prendre les croisselles, parce que ça me donnera peut-être Séraphin. Oui, c'est pour ça que le jeu n'était pas éliminatoire. C'est vrai que c'est lucide aussi, vu comme ça. Un jeu pour donner un avantage. D'ailleurs, j'ai esquivé, on va dire, les jeux que je déteste pour l'instant, moi. Bon, les jeux d'horreur, non. Je déteste les jeux d'horreur, mais... Comme on était avec quelqu'un en vocal, ça allait, quoi. Mais... Pour l'instant, j'ai esquivé les jeux que j'aime, le genre de jeux que j'aime pas. Je vais pas dire les genres de jeux que je redoute. Comme ça, si jamais j'avance dans la compétition... Je laisserai la surprise à mes adversaires. Mais bon, je suis pas tombé dessus encore. Oh, il y a beaucoup de genres de jeux sur lesquels je suis pas tombé encore. Hein. Oh, le nombre de cœurs, what the fuck. C'est Jouf nous écoute parfois. Bah, pour l'instant, c'est Jouf. Je suis toujours tombé sur des bons trucs, hein. Et des points faibles, c'est pas pour ces joues, c'est si jamais il y a une prochaine phase de compète où genre les adversaires ils doivent choisir un jeu sur lequel je vais devoir jouer ou ce genre de truc. Ah non, mais deux fois la morsure d'araignée, c'est du troll. C'est du troll le jeu. Allez, trois fois la morsure d'araignée là. Technologie. Comment ça tu lui luttes? Ah, il a débranché mon téléphone le chat. Est-ce qu'on veut technologie? Plus Totobono. Est-ce qu'on veut technologie avec IPCAC? Je pense que c'est une mauvaise idée. Enfin, c'est pas non plus genre grave, mais je pense que c'est pas une mauvaise idée. C'est fort, bah... Je pense que je vais surtout me prendre des hits contre des cailloux, non? Ok. Faut juste faire gaffe. Habile. Non mais on peut le prendre, mais... Après c'est pas giga fort, c'est surtout Tech 2 qui est hyper fort avec IPCAC. Là ma question c'est plutôt qu'est-ce que je fais de cette boîte là, hein. Parce qu'on m'a filé une boîte. Potentiellement qu'on me donne des items. Alors pas à l'étage où je suis, à l'étage où je suis ça donne des pièges je pense. Oh et ma secret là. Et je l'ai pas trouvé déjà. Hein. Allez je le prends. Voilà. Merci ça, je me prends un caillou. Elle est là la secret. Ok. Bon, on a farmé. Ouais, plus de tirette quand même pour que ce soit bien. Je sais pas si c'est vraiment mieux qu'il fait cac. Hein. J'ai quand même perdu beaucoup de dégâts. Enfin, de dégâts sur la fiche. J'ai assez d'HP là. Hein. Ça donne un trinket, mais c'est pas hyper important. Du coup, j'ai pas pris la boîte. Réfléchis. Pas forcément plus précis en vrai. Hein.
Enfin, c'est surtout moins pratique pour faire les diagonales et trucs comme ça. Si je dois faire des angles, c'est moins pratique. Qu'est-ce qu'il y a? Mais comment ça, tu me niaques? Genre, il me niaque alors que je lui mets juste la main pour le caresser. Ça va, gros? Il s'embête. Il a faim, ouais. Ok, bon. Et on fait les petits tours là. Je sais pas si avec le spectral serait bien aussi mon EPK là. J'ai la technologie. Là ça aurait touché les mobs mais... Je sais pas comment ça marche quand tu touches le bord de l'écran. L'impératrice, jouer pilule, non. Ouais. Métronome. Qu'est-ce que ça a fait comme effet? Eh ben le pognon ça y va hein. J'ai la meilleure run pour enfin finir Rebirth sur, sur PS Vita, putain. Isaac sur PS Vita, quoi. Tu meurs comme un caca. Ah, oh, rip. De toute façon, quand t'as les meilleures runs et tout, t'es en mode trop confiant et tu prends des hits que tu devais pas prendre. Vu que The Lost Boss Rush... Ah, c'est un peu chiant, ouais, The Lost Boss Rush. Combinaison de perso-boss pas très agréable. Pour rusher en plus du coup bah The Lost c'est chiant et la salle est longue donc c'est chiant. Faut être en plus dans la salle faut rester safe quoi. Ah oui non ouais. Stopwatch ah oui par exemple Stopwatch c'est pas mal. Alright. Je suis parti vers le chest. Ça me va. Moi, touche, c'est la mort. Et oui, sur Rebirth, The Lost, c'était quand même pas très fun. Ah ouais, le premier The Lost était pas très fun quand même. Hein. C'est vraiment en mode... alors, mon jeu, il est pas assez dur. Et bah, bim. Je vous la mets. Merci, merci, Moon. Alors que The Lost, comme on l'a aujourd'hui, il est déjà bien assez dur pour les gens qui connaissent pas trop le jeu. Bah ouais, c'était pas facile hein. T'avais même pas les holy cards comme Tainted Lost. C'était toujours la galère. C'était vraiment des runs no hit quoi. Après t'avais pas des Delirium, Hush et tout mais... Je pense que l'objectif le plus dur c'était quoi, genre Satan. Et Satan déjà, sans se faire toucher, c'était pas fun hein. En boss rush aussi du coup. Pendant c'est plus dur. De manière générale. Bah ça dépend quel objectif, ça dépend ce que tu fais quoi.
sais pas si repentant c'est plus dur. L'étoile c'est super fort et ça me donne du T-Rate. Je pense qu'on va prendre l'étoile. J'aime bien la couronne, c'était x2 de dégâts aussi, mais l'étoile c'est très très fort. Pas viking. Si je fais méga Satan, l'étoile elle va bien carry le fight de méga Satan. Somnolence, c'était quoi la pilule? C'est la bleue, non? Le foncé? Ah, j'avais bien piffé. J'avais bien piffé. C'est débile l'étoile quand même. Hein. C'est quand même quelque chose la débilité de l'étoile. Hein. J'ai commencé à animer les cycles français par ceux qui ont fait Vermine et compagnie, produit par Ubisoft. Alors, c'est bien. Boum. Je sais même pas ce que c'est. C'est un animé sur Rayman? Boum. 3 épisodes sur 6, c'est très cool, ok. Captain Laser Hawk. Mais ça me dit quelque chose, je crois. Je vais repasser des extraits. Ça me dit quelque chose. Boum. Généreux cœur bleu. Ah, là, ça va. Les rochers marqués et tout, là, on est pas trop mal. Hein. Y a une secrète là-haut? Ah non. Je sais qu'elle tournait là. L'étoile. Hein. Il y a des refs au licence, ok. Ok, ok. Des refs aux jeux vidéo en général. Bah, tant que c'est pas full fan service, si c'est juste des refs, c'est sympa. Si c'est juste des refs par-ci par-là, et qu'on te le met pas en plein dans la gueule, c'est que c'est correct. Et bah, c'est quelque chose cette cathédrale là. Captain Laser Hawk, ça s'appelle. Le Capitaine Laser d'Aigle. Ou Aigle du Laser. Oui, le chat. Il revient. Il revient quémandé. Allez, je fais le fight sans bouger et je fais des câlins au chat. Oh. Boum. Ah oui, il y a Scott Pilgrim avec le casting originel, là, le casting du film. Il est... Qu'est-ce qu'il y a, Bébouche, hein? Boum. Ah, un succès, là. Ah, il y a un succès. Boum. Le D4. Et un challenge. Oh, on pourra se faire un petit challenge, après. Enfin, après, on va peut-être jouer à Risk of Rain, mais... On pourra se faire un challenge. Sympa. Demain, il y a The Killer de Fincher. Il sort au ciné? Ou sur les plateformes? Je crois qu'il sort sur les plateformes, on m'avait dit. Ah bah, une sortie d'un film de Fincher, c'est intéressant. Sur Netflix, si.
Eh ben, on verra. J'ai pas Netflix, mais je me démerderai. Je me démerderai. Et merci pour le raid. Merci beaucoup. Sharpness, hello. What's up? Boom. Et Super Paper Luigi. Ça faisait du speedrun là? Sharpness qui fait du speedrun. Je crois qu'il est pas français. Hello, hello, thank you. Je suis pas sûr. Je sais pas comment on dit d'ailleurs, parce qu'il y a un X. T'es lent as fuck, 5 sur 10. Je trouve pas si lent. Good luck and good night. Good night, thank you for the raid. Yeah, I'm not speedrunning, so it'll be okay. Saison 2. Et 4h du mat. Good night. 4 a.m. Boom. Vous pouvez voir du speedrun. Qui a des très jolis scores d'ailleurs hein, sur les speedrun sharpness. Donc pas un random. Bon, sans mon étoile, je suis un peu triste. Mais au moins, on aura l'étoile pour Mega Satan. Par contre, je vais vraiment commencer à m'inquiéter de ne pas avoir d'unlock. Là, si K1, il débloque pas quelque chose. Ouais, bon, il y aura le challenge aussi. Le record du monde que tout le monde a sur la salle 14 de Portal. C'est quoi cette histoire? C'est un autoscroller? Pourquoi tout le monde l'a? Parce qu'il faut rester appuyé juste sur droite? Comment ça? C'est quoi ces conneries? J'avoue, j'ai pas la ref. Mais je vous crois, mais c'est juste, je comprends pas ce que c'est le niveau 14 de Portal. Hein. Pourquoi tout le monde a le record hein. Tout le monde a le record, ça veut dire que c'est un truc que tu peux répéter à l'infini. Moi aussi, je veux mon record du monde. Moi aussi, je veux être premier égalité sur Portal. Pourquoi j'ai pris un shoot d'Aou? Par contre là ça fait du bruit le son là. Baisser un peu. Hein. Ça explose là, je baisse un peu. Hein. Je vais monter la musique par contre. En échange. Ça pète beaucoup. Oh! Oh il m'a mis une tarte! Oh là là! Oh, vous avez vu ça? Scandaleux. Scandaleux le chat. Il m'a tarté. C'est honteux. C'est honteux, Freud, c'est honteux. Je suis choqué. Donc... Deux de portail et de sauter à la frame. Ah, faut quand même sauter à la frame près. Donc c'est pas tout le monde qui peut le faire. Il m'a banané. Il m'a frappé. Mais comment frappé là. Boum. Ça va, il a les papates toutes douces. Mais quand même. En vrai, il sort pas les griffes. Ça va, il est... Non pas qu'il ait des griffes giga longues, mais de toute façon, il sort pas les griffes.
Allez, allez, les méga Satan, allez. C'est long, hein. On a beau avoir un tiré de fou et IPCAC, oui, c'est long, hein. On a Delirium qui s'ouvre. Même un peu, non? Ah, si j'avais pris le bouquin des secrets, j'y serais allé. Si j'avais pris le bouquin des secrets, j'aurais pu trouver mes secrets et j'aurais pu peut-être chercher, mais là, flemme. Et donc, un cube de viande et une nouvelle pilule. Les deux sont apparus. C'est pas fou. Et on commence doucement, très certainement, à s'approcher de la fin de K1 aussi. Donc, j'espère que dans les deux prochains succès, on aura... Quatre prochains succès, on aura... Un perso, pourquoi 4? Parce qu'il y a la, Satan, la Dark Room, tout faire en hard, et le challenge qu'on vient de débloquer. Ok. Bon, et bien des bisous YouTube. A plus.